因为你打过来是哪里的？现在公司，伊拉在卖，拉在卢布瑞，伊拉在卢布瑞的chez moi, tout doucement dans la boutique de ma femme, c'est juste devant. C'est la boutique dans la maison, hein. C'est comme ça. Dans la maison, et ça fait quoi? Ça a une porte dehors, hein. Dehors sur la voie, ça va, c'est comme ça. Encore, moi j'étais à la maison et puis, une femme était venue, fait du bruit dans la boutique là. Il criait que c'est mensonge ou vous mentez sur les gens, etc. Et moi j'étais sorti, bon, j'ai pas compris quand même ce qui s'est passé. Et la femme, peu de temps après, elle est partie, ça va. Et 30 minutes après, comme ça, c'est-à-dire vers 15h30 ou bien 15h40 comme ça, quelque chose comme ça. J'étais chez moi et soudain c'est quoi, c'est la police qui était venue, la police qui était venue et puis il m'a donné une convocation pour ma femme. Une convocation pour ma femme, c'est comme ça. Il m'a donné une convocation pour ma femme et ma femme était là, donc il a remis la convocation, voici, on te convoque, comme ça, il a accueilli, le conseil est accueilli, ça va, c'est comme ça. Et donc, il faut la 16h00, c'est comme ça. Quand cette heure a sonné, on était tous partis à la convocation. Elle était là, moi-même j'étais là, et puis ça comme si. Sa soeur. Sa soeur, elle aussi était là, on était tous partis à toi, c'est comme ça. Et c'était quoi? C'était un problème. C'était, je ne sais pas, hein. C'était une diffamation. On l'a accusé de quoi? De diffamation. Parce que quoi, c'est sa fille là, hein, sa fille, parce que c'est son ingénieur là, il paraît que elle a raconté certaines choses dans le quartier que telle voisine du quartier est quoi, une sorcière, et qu'elle a donné encore la sorcellerie à quelqu'un d'autre encore, et c'est cette autre personne là, c'est cette autre personne là qui était venue faire du bruit. Devant la boutique, ça va, c'est comme ça. Et je crois que c'est elle qui s'est plaintée. Je crois bien, je sais pas. Soit c'est elle ou bien celle qu'on a dit qu'elle est la sorcellerie. C'est comme ça. Donc c'était pour comme ça. Et on a répondu. Et celle qui a été diffamée, elle a voulu régler les choses à l'amiable. Parce que ce qui est important chez elle, c'est pas qu'on ne salisse pas son nom dans le quartier. Ça va, c'est comme ça. Et là, c'est comme ça. Et elle a voulu faire la paix et puis on a accepté. C'était à notre faveur. C'est-à-dire quoi, on était tous contents de sa démarche. Puisque c'est diffamation, c'est très grave. C'est très grave. Ça va. Et pour elle se plaindre encore, si elle n'était pas satisfaite ici. On commissariat pourrait se plaindre encore à la justice et ce serait très grave pour nous. Parce que c'est ma femme qui est accusée. Ça va, c'est comme ça. Parmi les mensonges qu'on avait dit, moi ça parmi les propos, les allégations faites par la fille, ma fille la disparue, elle a dit qu'elle est sorcière. Qu'elle est associée à quelqu'un d'autre et que quoi, que son mari qui est paralysé, que c'est elle qui a paralysé son mari et que sa fille, sinon, elle a une fille qui travaille avec eux, je ne sais pas si c'est une fille, je ne sais pas, en tout cas, elle vit dans la maison, elle travaille avec la dame là, elle a dit que et la fille a fait un accident, hein. La fille avait fait un accident, elle n'a pas du temps, ça va, et ma fille là, je suis imaginée. Parmi ce qu'elle a raconté là, tout ça, elle a dit que quoi, que c'est cette dernière, la maman là, elle qui est quoi, qui est à la base de quoi, de l'accident de cette fille là, c'est comme ça. Donc, vous avez appris tellement des conneries, des sottises. Ça va, c'est comme ça. C'est comme ça. Et si la maman a, si la fille a dit des choses, c'est comment qu'elle a entendu ça de la part de sa maman. Ça va,
c'est la police qui n'a pas dit ça à maman. Et puis elle a raconté, elle a dit ça aux gens. Mmh.